C'est l'endroit idéal pour ma première séance de méditation. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est génial, je vole! Cette semaine, dans J'y comprends rien, je m'intéresse à la méditation. Direction la maison des associations pour aller voir Christine Bonnemi. Bonjour. Bonjour. Dites donc, vous avez mis l'ambiance ? Oui, j'ai apporté une petite bougie, une fleur de lotus, une lampe à sel et un kakémono. Tous ces objets peuvent servir de support de méditation. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la méditation et puis finalement à quoi ça sert? Alors, la méditation, c'est d'abord un rendez-vous avec soi-même. C'est aussi pour donc calmer l'esprit, calmer le jeu de l'esprit. Ça va amener à se libérer aussi des souffrances. Des souffrances qu'on l'on génère soi-même par nos habitudes, par nos distorsions mentales. Mais il y a aussi des phénomènes extérieurs qui génèrent des souffrances. Exact, mais il y a aussi comment nous les réceptionnons. Est-ce que vous appartenez à un courant bien précis ? Oui, j'ai pris refuge en 1982 auprès de Kalo Rinpoche, qui est un bouddhiste tibétain. Et depuis les années 93, je suis un séminaire en Inde. Moi, je ne suis pas bouddhiste. Comment est-ce que je dois vous appeler? Maître? Alors, je n'ai pas la prétention d'être maître. D'accord. Simplement, j'essaie de transmettre au moins des bases sur la méditation. Les autres pratiquants vont venir bientôt. Donc, si vous voulez participer à la session, vous êtes la bienvenue. Eh bien, merci. Ça vous dit aussi? Alors, c'est parti. Pour bien méditer, il faut d'abord se mettre en condition. La position d'abord, la choisir de telle sorte que l'énergie circule. Rien de tel que visualiser les différentes parties de son corps. La colonne vertébrale étant considérée comme l'arbre de vie, tant qu'à faire, autant se redresser. Ensuite, il faut essayer de se concentrer. Pour cela, plusieurs supports de méditation sont à disposition. La bougie ou la fleur de lotus, c'est pas mal pour fixer le regard. On peut essayer aussi de se concentrer sur son souffle. Mais attention à ne pas s'endormir, sinon gare au bol tibétain. Donc Gaëlle, comment avez-vous vécu cette première partie de méditation? Ça va. Enfin, si Maryse a bien failli s'endormir, moi de mon côté, j'arrêtais pas de penser à des tas de choses. Enfin, j'arrivais pas à fixer mon esprit. Est-ce que c'est normal de tomber dans la quand on débute, oui, de tomber dans la somnolence, dans l'agitation? Complètement. Si on vient à méditer, c'est justement pour s'entraîner à ça. Faut pas que l'esprit soit trop tendu ni trop relâché, comme on dit. Mais comment est-ce qu'on fait pour arrêter de penser? Il s'agit pas d'arrêter de penser. D'accord. Il s'agit d'être conscient que l'on pense, qu'il y a des pensées. Et l'intérêt de la méditation, c'est de ne pas se laisser envahir par une pensée en particulier. Est-ce qu'on peut être finalement l'esclave de ses pensées, vous pensez? On peut l'être quand on vit des choses très fortes, des émotions, des situations qui génèrent des émotions très fortes, telles que la colère, par exemple. Et l'intérêt de la méditation, c'est justement de reconnaître qu'on est en colère. Mais on n'est pas la colère. Et disons, si on voit ne serait-ce qu'une bougie, on ne va pas en faire un incendie de forêt. Hein? C'est-à-dire qu'il y a... notre esprit n'est pas... ce qu'on pense n'est pas la réalité, c'est ça? Exactement. Mmh. On va tendance à avoir à transformer les choses en fonction de notre nature. Donc, on va grossir les choses ou au contraire les minimiser. Enfin, on ne va pas les voir dans la juste dimension, la juste place. Vous nous avez demandé de nous concentrer donc,
sur un support, par exemple le souffle. Pourquoi est-ce que c'est important comme ça de se concentrer sur Le souffle est complètement lié au mouvement des pensées. Donc ça va complètement ensemble. Le souffle, c'est ce qui va donner un rythme, hein, aussi à générer l'oxygène dans le corps, ce qui va amener déjà de la détente. Mais en temps naturel, ça va, c'est vraiment lié à notre pensée, à notre esprit. On commence par visualiser un carré jaune. Donc ces figures, on va les visualiser devant soi. Alors on peut les visualiser devant soi, superposées les unes des autres, ou à l'intérieur de soi. Hein, il y a deux possibilités. En voilà un drôle d'exercice. Le carré jaune symbolise la Terre. Heureusement que Christine nous guide pour la couleur et la dimension. Après la Terre, on passe à l'eau, au feu, à l'air, à l'espace. Et pour dissiper toutes ces petites créations de l'esprit, rien de tel qu'imaginer une bonne flamme, histoire de dissoudre tout ça. Concrètement, Christine, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi pour quelqu'un, on va dire, qui a atteint un certain niveau de méditation et qui arrive à méditer pour de bon? Alors, il y a déjà une détente du corps qui se fait. Et après, il y a un équilibre, une paix et un équilibre qui se met en place. Mais ça se passe à quel niveau, en fait? C'est dans la tête? C'est dans notre être en entier. Hein. L'esprit n'est pas plus dans la tête que dans les pieds. Hein. Et c'est partout qu'il l'est. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir des effets néfastes ou nuisibles à la méditation si elle est mal pratiquée, si on s'y prend pas correctement? Alors, on peut développer effectivement des tendances qui peuvent être des fois pires que ce qu'on est si on ne respecte pas certaines règles. Est-ce que vous pouvez donner un exemple finalement de travers qui peut se passer dans son esprit quand on est à côté de la plaque en méditation? Bien, par exemple, si on médite surtout dans le bouddhisme tibétain, si on médite sur des divinités, il ne va pas falloir fantasmer sur cette divinité et en faire un personnage fantomatique, par exemple. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien, quand on démarre la méditation, de le faire accompagner ou bien de se lancer tout seul? Dans un premier temps, il est bien d'être accompagné. Après, on peut s'entraîner tout seul. Combien de temps il faut pratiquer et avec quelle régularité? Alors ça, c'est en fonction des facultés de chacun. Il y a des personnes qui sont plus enclins à avoir un esprit méditatif. Ça, c'est un peu dans leur nature. Il y en a d'autres, il leur faudra peut-être beaucoup plus de temps parce que leur structure psychique sera plus compliquée, plus compliquée. Et si je vous pose la question concernant vraiment le temps minimum d'une séance et d'une session, et puis la régularité avec laquelle il faut y revenir, est-ce que vous pouvez me répondre plutôt que dans ce sens-là? Donc l'idée, si on est chez soi, qu'on débute, déjà 10 minutes tous les jours, c'est très bien. Après, si on peut étendre une demi-heure, une heure, c'est bien. L'idéal, c'est d'en faire un peu tous les jours. Hein, parce que là, ça donne une habitude à l'esprit, un entraînement. C'est un peu comme un sportif. C'est un peu comme une casserole qui contient de l'eau que l'on veut faire bouillir. Si on éteint le gaz à chaque fois, l'eau, elle ne va jamais bouillir. Donc à chaque fois, on est obligé de recommencer. Donc c'est important de méditer un peu tous les jours. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que je peux vous demander de conclure l'émission face caméra? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, pour conclure, on peut dire que la méditation, c'est un cheminement d'une vie où on va à la quête de soi-même et à la compréhension de ce qui nous arrive. Et c'est une quête vers le bonheur, vers une paix, une recherche d'équilibre. Je dirais pour conclure l'émission. Au revoir. Ha ha ha.